Bonjour à tous, bienvenue dans les années 90 avec la musique dance techno de ce jeu ex-tunnel. Si comme moi vous avez du mal à digérer l'échec monumental qu'est Bravo Team, eh bien je vous propose de voir ce qu'est ce petit jeu qui est vendu 4,99€ sur le PlayStation Store, qui dispose d'un trophée platine, ce qui est assez étonnant pour un petit jeu comme ça, et on va voir si un petit jeu à 5€ peut être un meilleur jeu que Bravo Team. Alors déjà il y a beaucoup de particules de machin dans tous les sens. Alors a priori, si la musique elle me laisse parler, il y a trois modes de jeu, arcade, chaos et ultra. Bon, on va commencer par arcade. Ah, la musique s'arrête net. Bon, donc il y a les éléments a priori. Derrière c'est quoi? Là apparemment il y a une tornade, donc le vent, le feu, la glace et... Bon, je sais pas. Allez, on commence par Ice. Alors c'est un jeu qui se joue au contrôle avec la tête. C'est-à-dire qu'il faut... Oula, oula. Il faut contrôler en bougeant la tête. Aouh ! Voilà, je suis retourné au menu. Ça y est, c'est fini. Non, j'ai été mauvais. Donc le but, c'est d'arriver au bout des niveaux en esquivant... Quoi, j'ai touché quelque chose, là ? Je demande de l'arbitrage vidéo. Alors graphiquement, comment dire ? C'est un peu bizarre. J'ai l'impression de... Non ! Ah ! J'ai l'impression de... d'être devant un écran flou. J'ai mes lunettes ? Ouais, j'ai mes lunettes. Bah, c'est méga flou, alors je pense qu'ils ont voulu mettre trop de... d'effets de particules et de textures. Oula, je risque de tomber de mon siège en faisant des grands gestes. Je fasse gaffe. Voilà. Bon, déjà pour 6€, vous avez de la bonne musique des années 90. Musique électronique. Franchement, c'est un peu trop flou. Et j'ai plus le sentiment d'être devant une vidéo, vous savez, des vidéos de YouTube de mauvaise qualité en 2D. Je ressens l'effet 3D, je ressens que les blocs et les objets ils me passent au-dessus de la tête, à côté, etc. Mais c'est pas super marqué en fait. Après, c'est plus un trip musical où vous remuez la tête. Je vais rester au sol pour voir. Où l'effet de vitesse est quand même présent. On va voir un deuxième niveau pour voir ce qui change. Le feu. Donc évidemment les couleurs, bon c'est toujours aussi flou hein. Au loin là-bas c'est... je vois absolument pas. C'est dommage parce que si ça avait pas été flou comme ça, ça aurait été sympa. Je pense qu'ils... Oh merde. C'est water. Donc l'eau. Il y a tellement de trucs à l'écran. Oh, je vais où là ? C'est quoi ce bordel ? Il y avait un mur ? Là, il y a bien un passage, mais tout à l'heure, il n'y avait pas de passage. En fait, c'est généré aléatoirement. Ah ! Ah ouais, d'accord ! Oh putain ! C'est super dur. On va faire un autre niveau. Voilà, ça bouge trop vite ce truc là, c'est quoi ce délire? Je perds direct. Donc en fait la terre c'est des bouts de bois. Putain mais ils sont imprévisibles les trucs là. Non, non, laisse-moi tranquille. Ah, je me suis fait assommer. Wouah, ça tourne dans tous les sens et je me demande ce que je suis en train de regarder là, ça me... Oh là là, c'est horrible. Oh. Je suis désolé, mais là, ce niveau-là, non, il est horrible. Bon, on va aller vite voir les modes chaos et ultra, là. Parce que c'était pas assez difficile, vous voyez? C'était pas assez difficile, du coup. Voilà, je sais pas comment je passe. C'est le bordel. Donc là, c'est tous les éléments mélangés. C'est le gros bordel. Regardez ça. Ah, je suis déjà... C'est vraiment une bouillie, graphiquement. C'est vraiment très laid. C'est con, hein. J'aime les trips comme ça, mais là, c'est trop flou. C'est trop flou, je vois absolument rien. C'est une bouillie de pixels. Ah non. Ah voilà. Et voilà. Bon, et le mode ultra, c'est encore plus difficile, j'imagine. Ah oui. Et ça va encore plus vite. Ah non, j'ai fait un grind là sur le mur, ça compte pas. Ah, c'est pas la même musique. Ça change. Non, je veux pas me cracher sur le mur. Ah, celle-là de musique, j'aime bien. C'est celle que j'avais dans le menu tout à l'heure. Je comprends pourquoi il y a un platine, en fait. C'est un jeu super dur.
Bon, ça serait bien qu'il fasse quand même un petit patch PS4 Pro au moins. Non. C'est difficile à recommander quand même, parce que c'est vraiment très très laid, c'est très flou. Et même sur PS4 Pro, ils n'ont pas fait l'effort d'augmenter la résolution, même à 4,99€. À la question, est-ce que X-Tunnel est un meilleur jeu que Bravo Team? Ben ça se vaut en fait, hein. Non bien sûr, je blague, c'est incomparable, on peut pas comparer ça, mais par contre il y a des jeux qui sont bien mieux que Bravo Team et qui méritent votre attention. Comme par exemple Honor and Duty. Honor and Duty est un meilleur jeu à l'aim controller que Bravo Team. Non, c'est pas vrai non plus. Honor and Duty n'est pas un meilleur jeu, mais c'est un tout petit jeu, petit budget, donc c'est excusable les erreurs. Bravo Team n'est pas excusable. C'est Sony qui produit, il y a du budget derrière. C'est pas normal que ce soit aussi mauvais. Et je me rends compte que je suis en train de parler de Bravo Team dans une vidéo de X-Tunnel, alors je m'excuse. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch, et aussi sur vrsinge.com où il y a plein de concours. Et là, on a lancé un concours spécial 10 clés de Blasters of the Universe, plus 4 clés réservées à la communauté vrsinge sur Facebook. 14 jeux Blasters of the Universe à gagner, donc n'hésitez pas à participer. Tous ces liens sont dans la description de cette vidéo. Allez les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à tous, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.